Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la maîtrise de soi, de qu'est-ce que la maîtrise de soi selon moi, pourquoi est-ce que c'est fondamental, pourquoi la maîtrise de soi, ce n'est pas le contrôle de soi. Donc, voilà, asseyez-vous tranquillement, mettez vos écouteurs et c'est parti. Selon moi, la maîtrise de soi vient avec la connaissance de soi. Qu'est-ce que la connaissance de soi? Eh bien, c'est réaliser profondément ce que l'on est et ce que l'on n'est pas. C'est avoir une sorte de discernement entre ce que je suis et ce que je crois être. Et les choses avec lesquelles on s'identifie le plus, ce sont les pensées qui nous traversent, les émotions qui nous traversent et le corps physique. Dans la connaissance de soi, eh bien, il y a cette idée d'aller challenger ces idées qu'on croit pourtant évidentes. Je suis ce que je pense, je suis ce que je ressens et je suis ce que je suis physiquement. Dans ce cheminement intérieur, il y a cette invitation à rendre compte que je ne suis en réalité pas mes pensées, je ne suis en réalité pas mes émotions, en réalité je ne suis pas ce corps physique. Par cette connaissance de soi, il va y avoir ce cheminement de connaissance de soi, on va se mettre à remarquer des patterns, à remarquer des mécanismes en soi qui sont dans une forme d'inconscience. Selon moi, l'inconscient, c'est lorsque je m'identifie avec ces choses en moi qui ne sont pas réellement ce que je suis, mais qui sont ce que je crois que je suis. Et lorsque je m'identifie et je crois être quelque chose que je ne suis pas, j'appelle ça une forme d'inconscience. Donc là, avec un exemple concret, lorsque la colère arrive en moi et que des pensées disent « Mais comment est-ce qu'il a pu me faire ça ? Mais je vais lui faire la peau » ou « Mais comment il ose ?» À ce moment-là, je m'identifie entièrement avec ce dialogue mental intérieur et cette force, cette énergie de feu quasiment qui pénètre tout mon corps, je m'y identifie aussi. Et lorsque je fais un avec cette colère-là, eh ben, je me mets à incarner cette colère mentalement, émotionnellement et physiquement. Je pars dans une forme d'inconscience et parfois l'inconscience peut être telle qu'il peut y avoir des dérapages sur le plan mental, physique, dans les choses qui sont dites. Dans ces moments-là, il n'y a absolument aucune maîtrise de soi parce qu'il n'y a que très très peu de connaissance de soi. La connaissance de soi menant à la conscience de soi. Là, il y a une inconscience totale. Lorsqu'il y a ça et qu'on voit que la colère nous a embarqués, quel est le premier réflexe qu'on peut avoir? C'est qu'il y a tout qui redescend et on commence à se rendre compte qu'on a été. On se dit, il faut que je contrôle cette chose-là. Pour moi, dans l'énergie du contrôle, il y a la racine de ça, il y a souvent de la peur. La peur d'être dépassé, la peur d'être submergé, la peur d'être envahi, d'être totalement anéanti, submergé par tout ce qui arrive. Le contrôle, pour moi, il y a une notion de grande peur. Il y a une notion aussi de non-connaissance, une notion d'ignorance. Alors que dans la maîtrise de soi, il y a une forme de détente. C'est que dans la contrôle, il y a une crispation. Tout ça, ce ne sont que ma vision des choses, comment je le vis, comment je le ressens, comment je l'ai observé. Il n'y a pas de vérité absolue, certaines personnes pourront dire l'inverse. Peu importe, je vous partage un petit peu mon paradigme, vous en faites ce que vous voulez. Dans le contrôle, il y a vraiment une tension. Il faut que je contrôle, que je gère mon émotion. Il ne faut pas que je tombe dans l'inconscience, parce que ça peut être dramatique. Alors que dans la maîtrise de soi, je le vois dans quelque chose de beaucoup plus détendu. C'est détendu au moment de la tension. Si je reconnais les énergies qui arrivent en moi, les émotions, les pensées, tout ce qui essaye, hop, de m'amener dans des mécanismes d'inconscience, par réflexe, par habitude d'identité construite dans la petite enfance, par des mécanismes qui sont liés à des blessures émotionnelles qui remontent aussi dans la petite enfance. La maîtrise de soi, c'est la sérénité qui regarde le chaos en soi, qui regarde l'agitation, qui est présent à ce qui est en soi. Et donc c'est là où vous voyez à quel point cette maîtrise de soi est entièrement corrélée à la connaissance de soi. Et cette maîtrise n'est pas dans l'idée de « il ne faut pas que cette colère arrive, il ne faut pas qu'il y ait d'inconscience ». La maîtrise de soi, c'est dans une sagesse profonde, dans un ancrage, dans une force, dans une stabilité qui perçoit ces mouvements-là et qui apprend, qui comprend, qui reconnaît, qui observe silencieusement, et qui du coup, dans le contrôle de soi, il y a quand même encore cette idée d'être comme une sorte de pantin avec lesquels
Or que la maîtrise de soi, c'est comme si on voyait les fils, on voyait chaque comportement où ça nous emmène. C'est pour ça que selon moi, la maîtrise de soi, c'est fondamental. C'est pour ça que je ne vends pas dans toutes ces vidéos spirituelles la disparition de la négativité en vous, la disparition des émotions négatives en vous. Je ne vous parle pas de la disparition des ténèbres en vous. Je vous parle de son observation, de la connaissance de vous, de reconnaître ce qui est en train de se jouer en vous. Selon moi, le monde est duel et en moi existe le plus beau et le moins beau. Existe le plus doux et le plus dur. Et la maîtrise de soi, c'est de reconnaître ses énergies et d'être dans une sorte d'ancrage, être centré et de reconnaître tout ce qui gravite en moi. Et en moi gravite le monde est en moi. Et je reconnais que tout ce que je reconnais dans ce monde existe en moi, le plus beau comme le plus moche. La maîtrise de soi, c'est la clarté, c'est la quiétude, c'est la sagesse. Donc voilà, je pense que vous remarquez pourquoi est-ce que selon moi cette maîtrise est fondamentale. Et la maîtrise ne passe que par une succession d'expériences, où il y a un processus d'apprentissage, d'enracinement de cette présence consciente, silencieuse, qui ne juge pas les mécanismes qui sont observés, qui n'est pas en train d'avoir peur d'eux, qui remarque la peur, qui la vit, qui la goûte, qui la traverse. C'est le cheminement spirituel pour moi aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite, si ça vous parle, eh bien d'être dans ce cheminement de connaissance de vous, de maîtrise de vous-même, de soi. Que la paix vous accompagne dans votre cœur et dans votre esprit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.